Une 30-30, il joue qu'une fois. Hey, pas de face, monsieur Malcolm. Non. Faut que je vous compte ça. Ouais, mais moi aussi, j'ai quelque chose à raconter. Vous savez, les Noirs, là, hein, oui, les gens de race noire, oui. Il paraît qu'eux autres, là, ils ont le front double. Pourquoi double? Puis là, il y a un gars de même, à un moment donné, là, lui, là, double? Il se promenait partout dans les tavernes. Puis qu'est-ce qu'il faisait? À lui, il rentrait des clous de même en travers des murs. Il frappait avec son front, mais clac, clac! Là, le gars faisait des gageurs, gagnait de l'argent partout. Il y a un gars, il dit, m'a gagné, c'est avec 100$. Que le Noir ne peut pas rentrer le clou au travers de ce mur-là. Comme de fait, le Noir faisait 4-5 coups qu'il donnait sur le clou, il ne rentrait pas. Ils s'en vont l'autre bord dans l'autre appartement. Il y avait un autre Noir qui accotait le clou. C'est incroyable, hein? Il en arrive-tu des affaires, M. Marcotte? Il en arrive des affaires. Je peux te le dire. Justement, j'ai vu un cowboy à côté. Non. Il essayait de monter sur son cheval. Il n'était pas capable de monter sur son cheval. Ben oui, à un moment donné, là, il a levé les yeux au ciel et il dit « Saint-Pierre, Saint-Claude, Saint-Jude, Saint-Henri, aidez-moi, s'il vous plaît. Sinon, moi, tout vous descendre. Oui. » Et évidemment, là, il s'est donné un élan, mon Claude. Oui. Il a passé direct l'autre bord. Pas dessus le cheval. Ah oui, là, il s'est levé, il a regardé. Je vais pas demander de pousser tout le monde ensemble. Hey, oui. Hey. Non? Hey, je savais, ah, t'en savais peut-être, mais t'en posais un autre que tu sais pas. Ouais. OK, la différence entre un pigeon voyageur et un broker à bourse? Ben, le pigeon voyageur, lui, il peut encore laisser un dépôt sur un Cadillac. Claude Blanchard, comment tu fais, t'essaies tout? Ben, c'est parce que c'est les deux histoires gagnantes, ça, cette semaine, là. Ah, c'est vrai, j'ai pas donné l'un. Ah, oui, oui, c'est vrai. Merci, c'est une histoire bangale. Bonjour, M. Desrosiers. Comment ça va, M. Desrosiers? Bonjour, M. Desrosiers. Votre frère est toujours député? Ah, oui, oui, ça va. Ils n'ont pas trouvé un job encore. Non, pas encore, hein, bon, j'ai les temps sont durs, surtout. Comment ça va, M. Desrosiers? Ça va bien, pour vous, les manchettes ce matin. Non. Dans le journal de Montréal. Oui. Pendant que M. Doré se promène en Chine, oh. La fa-chine. Hein? Mais non. Pendant que M. Doré se promène en Chine, ouais. Les Chinois se sentent étouffés. Ouais. Là, je dis qu'il y en a qui vont les jaunes. Voyons donc. Ah, voyons. Hey, Claude, comment t'appelles ça? Ben, tu devrais me marier ça à Pierre parce qu'il y a plusieurs restaurants. Oui. Comment t'appelles ça l'abbé des petits restaurants? L'abbé des petits restaurants? Oui, des petits. L'abbé tête frite. La bête. Hey, parle-là au téléphone, les regardants, là. Les sceptiques seront confondus. Dis. As-tu vu ça dans le journal, parle-là au téléphone, là? La belle vient de sortir toutes sortes de téléphones, là. Pour les obèses, une ligne double. Hein? Ah ouais? Pour les snobs, ils acceptent les francs. Puis pour les mannequins, belle ligne. Comment appelle ça, la voiture préférée des chats? Ah, on le sait pas. Tu sais pas. Un 4x4. Oh, je coche. Oh, ben, monsieur Gilbert! Monsieur Gilbert! OK! C'est la madame comme ça, la demoiselle qui est assise dans le cinéma comme ça, puis il y a un gars à côté, puis elle dit, monsieur, s'il vous plaît, mettez votre main ailleurs. Il dit, j'aimerais trop ça, mais j'ose pas. C'est un gars comme ça qui prend le téléphone, puis il y avait un défaut de langue. Ouais. Il dit, mademoiselle, donne-moi 3-3-2-2-16-5-9. Non, c'est mon père. Oui, ça y ressemble. Alors, dit, écoutez, monsieur, j'ai pas le temps de niaiser au téléphone, je suis téléphoniste, puis ferme la ligne. Le gars prend le téléphone. Mademoiselle, il dit, c'est pourquoi vous m'avez fait fermer le téléphone d'abord? J'ai pas le temps de niaiser, puis il dit, servez-vous donc le téléphone à bonne place. Ferme le téléphone. Les deux gars du bel arrivent à la maison, ils ont dit, monsieur. Pas d'affaire à parler de main. C'est ça, il a dit, monsieur, vous allez vous excuser, ça en sort, vous coupe la ligne. Ah, il dit, excusez-moi, j'en ai. Il apporte le téléphone tout de suite, après. Ah, sûrement, il ne veut rien savoir, au bel. Oui. Et fait que le gars appelle, il dit, mademoiselle, il dit, et c'est à vous que j'ai dit de vous s'appeler le téléphone. Ben, loin. Elle dit, oui, monsieur, c'est à moi que vous avez dit ça. Ben, il dit, préparez-vous, il s'en va avec. Oh, moi. Okay. J'ai jamais vu un gars gagner comme ça. Hey, lui, c'était un fou de la danse. Hein? Lui, il aimait tellement ça, la danse. Tu sais, c'était un gars flashé, bien habillé. Là. Oui. Lui, s'était fait faire une paire de claques en stainless steel. Quoi? C'est son kick, il allait danser le plein avec les filles. Puis là, à un moment donné, comment tu sais, il regardait dans ses claques, il disait à la fille, oh, belle petite culotte rouge. Oh. Là, il allait danser avec un autre, oh, belle petite culotte blanche. Oh. Là, à un moment donné, c'était les filles, c'était donc shiny. Ouais, toutes les filles sont dit ça, une a dit, moi, il joue un tour. Elle est allée au privé, pour aller enlever ses culottes. Les cheveux en dansant avec, à un moment donné, les cheveux, la vue de là. Elle dit, t'as pas besoin de t'énerver pour ça, là.
Ah, tu sais, quand t'es énervé, tu écoutes, je vais monter à te le dire, j'ai enlevé mes petites culottes. Tu m'as dit, tu m'as fait peur, je pense que j'avais craqué mes slacks. Oh, les gars, là, j'allais m'excuser, là. Ah, non! Oh, mon âge, salut tout le monde, ça m'a fait bien bouger. Bonjour, comment t'as, merci.